Après une visite de travail et d'amitié ce mardi matin avec le président Alassane Ouattara à sa résidence de Cocody à Abidjan, le président de la République du Bénin, Thomas Yayi Boni, a regagné son pays cet après-midi. Dans cette édition, nous ferons une incursion dans l'univers des jeunes filles qui ont une passion pour les études scientifiques. Nous parlerons des élèves du lycée Mami Adjoa et de l'Institut Polytechnique Fouette-Boigny de Yamoussoukro. À l'étranger, nous reviendrons sur la nomination de l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio, en qualité d'envoyé spécial de l'Organisation de la coopération islamique OCI pour la Centrafrique. Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous regardez le 23h de RTI1 et vous faites bien. Le président de la République du Bénin, Thomas Yayi Boni, a regagné son pays il y a quelques heures. Le chef de l'État béninois était ce matin à la résidence du président Alassane Ouattara à Abidjan, Cocody. Le président Yayi Boni effectuait une visite de travail et d'amitié à son homologue ivoirien. Yayi Boni avait à ses côtés son épouse Chantal Yayi de Souza. Le couple présidentiel a été accompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Après s'être entretenu avec le président Alassane Ouattara, le chef de l'État du Bénin, Yayi Boni, a fait une déclaration. Il dit être venu souhaiter prompt rétablissement au président Alassane Ouattara, le compte-rendu de cette rencontre avec Awa Touré. Accompagné de son épouse, le chef de l'État béninois, Thomas Boni Yayi, est venu spécialement du Bénin ce mardi pour saluer son homologue et ami, le président de la République, Alassane Ouattara, et lui souhaiter ses voeux de prompt rétablissement. Revoyant le président de la République, Alassane Ouattara, pour la première fois depuis son opération chirurgicale, le chef de l'État béninois et son épouse ont constaté avec joie que sa convalescence connaît une bonne évolution. Le président de la République leur a même fait savoir qu'il présidera ce mercredi le Conseil des ministres qui se tiendra au palais présidentiel. Le président Boni Yayi s'est déclaré rassuré sur l'état de santé de son homologue et ami, le président Alassane Ouattara. Vous voyez la joie qui m'anime. C'est toute une région qui suivait le séjour de mon cher aîné, le président Alassane, de la République de Côte d'Ivoire. Son séjour à l'hôpital, je dis bien, c'est toute une sous-région. Je n'exagérerai pas en disant même tout un continent lorsque nous avons appris cette information. Et c'est avec beaucoup de joie que nous avons appris son retour au pays natal. Et je crois, j'y suis venu transmettre toute la joie du peuple béninois. Et celle qui anime, je suis convaincu, toute la sous-région. Et je suis venu lui transmettre nos souhaits de prompt rétablissement, vraiment. Et je l'ai vu. Je suis Saint Thomas, je vais pouvoir maintenant retourner pour dire, je l'ai vu, il se porte bien, mais il est en train de faire, là, j'allais dire, cette convalescence qui va passer très 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 vite avec la grâce de Dieu le Père Céleste et reprendre vraiment les activités. Déjà, il a dit qu'il va présider le Conseil des ministres et je crois que c'est une bonne nouvelle. Et merci surtout à la première dame de Côte d'Ivoire. Et je crois qu'elle joue un rôle très efficace, très discret, mais efficace. Je tenais vraiment au nom de mes collègues de la remercier pour ses soins auprès de notre cher président au moment où il était à l'hôpital et aussi tout ce qu'elle a fait à côté de lui. Cette attention particulière à son endroit, le président de la République l'a souligné en exprimant sa gratitude au président Yayi Boni et son épouse. Je voudrais saisir cette opportunité pour dire encore un grand merci à monsieur le président pour ce geste de fraternité, de solidarité, lui dire à quel point madame Ouattara et moi sommes sensibles à cette démarche. Prendre toute une journée pour la passer avec nous, alors que nous savons que des affaires pressantes
l'attendent à Cotonou. Et je voudrais vous dire encore, monsieur le président, et si vous me permettez, jeune frère, un très, très, très grand merci. Merci à vous. Merci. À la suite des présidents Blaise Compaoré et Yahi Boni, d'autres chefs d'État de la sous-région sont annoncés. Autant de gestes de solidarité qui sonnent comme une récompense pour le président de la République Alassane Ouattara pour sa politique d'ouverture et son dévouement au service de la sous-région ouest-africaine. Et vous avez plutôt reconnu la voix de Viviane Aïmé. En économie et l'actualité, c'est la visite du directeur général en charge des finances du groupe de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Bertrand Badré a eu hier une séance de travail avec la ministre en charge de l'économie et des finances et le ministre des infrastructures économiques. La rencontre a eu lieu en présence des représentants des structures financières publiques, des banques et du secteur privé ivoirien. Il s'est agi pour Bertrand Badré de s'informer sur le mécanisme mis en place par l'État pour favoriser le financement des activités du secteur privé dans un contexte de relance économique post-crise et de mobilisation de fonds pour le financement des grands projets. Cette année, la Côte d'Ivoire prévoit de mobiliser sur les marchés sous-régionaux et internationaux plus de 800 milliards de francs CFA. Agenda très chargé du directeur général en charge des finances du groupe de la Banque mondiale. Après cette rencontre avec les membres du gouvernement et des représentants des banques, Bertrand Badré a visité le troisième pont en construction, Jean-Jacques Kwame Ala. Le directeur général du groupe Banque mondiale chargé des finances, Bertrand Badré, apprécie l'état d'avancement des travaux du troisième pont d'Abidjan. Le numéro 2 du groupe Banque mondiale, les autorités ivoiriennes et les structures privées en charge des travaux et ouvrages ont planché sur la priorité du gouvernement dans le cadre de la réalisation du pont. Pour le directeur général adjoint de la société de construction du pont, François Sacco, les travaux et ouvrages sont opérés conformément aux standards de la Banque mondiale en matière de sécurité et de respect de l'environnement. Je suis extrêmement heureux qu'on ait permis la réalisation de ce pont. Ça fait des années qu'on en parle et maintenant on voit le début et on sait que la fin est prévue pour le 22 décembre. C'est devenu une réalité après quelques années, même quelques dizaines d'années de rêve. Donc c'est formidable de participer à ce projet. Le coût de construction du pont est d'environ 200 milliards de francs CFA. Le directeur général adjoint de la société de construction indique être dans le délai pour la livraison de l'ouvrage le 22 décembre prochain. Et puis ce mardi, le directeur général en charge des finances du groupe de la Banque mondiale a visité les sites de Cyprel, la compagnie ivoirienne de production d'électricité et du port autonome d'Abidjan. Autre chose, et nous allons parler de communication dans le cadre de la migration de la Côte d'Ivoire vers la télévision numérique terrestre. La ministre de la Communication, Afousiata Bamba Lamine, a effectué récemment une mission en Chine. Elle a rencontré les autorités chinoises et des chefs d'entreprise du secteur des télécommunications. Afousiata Bamba Lamine veut s'inspirer des exemples de succès et s'attacher les services des meilleurs opérateurs techniques du domaine. Gabriel Zadi pour le compte-rendu. Une autre mission d'imprégnation de la ministre de la Communication, Afousiata Bamba Lamine, pour comprendre et réaliser avec succès le passage de la télévision analogique vers la télévision numérique. Cette fois, la ministre s'est rendue en Chine, où elle a été reçue en audience par le vice-ministre chargé de l'administration de la presse. Nie Shenxi s'est félicité des excellents rapports diplomatiques ivoiro-chinois. La Chine compte de nombreuses entreprises outillées pour accompagner la Côte d'Ivoire dans la conduite du processus de migration vers la télévision numérique terrestre TNT, processus qui se fera en juin 2015. La ministre de la Communication a rencontré des chefs d'entreprise chinoises, leaders du secteur des télécommunications. C'est en 2013 que la Côte d'Ivoire s'est engagée dans le processus de migration vers la TNT. Depuis cette date, la ministre de la Communication multiplie les échanges avec les opérateurs techniques pour s'inspirer des modèles de réussite et s'attacher les services de partenaires techniques disposant d'un excellent rapport qualité-prix. Innovation et équipement pour booster la productivité agricole du Niger. C'est le thème de la première édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage du Niger, Sahel 2014, auquel a pris part le ministre des Ressources animales et halieutiques, Koubena Kwasi Adjoumani. C'était du 6 au 10 mars dernier. Faire la promotion des produits agropastoraux, favoriser l'intégration sous-régionale et les échanges en matière de technologie agricole. Voilà les objectifs du premier salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage du Niger, Sahel en abrégé.
Au nom des invités de ce salon, le ministre ivoirien des ressources animales et halieutiques, Kobe Nkwasi Adjumani, venu visiter les stands d'exposition. Nous avons été impressionnés par les différentes races que nous avons découvertes à l'occasion de ce salon. L'objectif que nous visons, c'est de faire en sorte que nous puissions, à partir du salon, mettre en place un procédé par lequel des animaux au niveau du Niger puissent être transposés au niveau de la Côte d'Ivoire. Avant de quitter Niamey, le ministre ivoirien a été honoré par les autorités nigériennes qui se sont félicitées de la participation de la Côte d'Ivoire à ce salon. Revenons en Côte d'Ivoire. Elles sont nombreuses, les jeunes filles qui de plus en plus ont une passion pour les études scientifiques. On les retrouve dans tous les lycées et collèges presque. Dans cet élément qui va suivre, Michel Digré s'intéresse aux élèves du lycée Mami Adjoa et de l'Institut Polytechnique Fort Boigny de Yamoussoukro. Il nous dit que ces filles sont parfois plus brillantes que les garçons. Lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro, Ange Dominique, élève en classe de 3e 5, résout avec aisance une équation. Entre elle et les mathématiques, c'est une longue histoire d'amour. Depuis le CM1, voilà, on a commencé à faire des calculs comme ça. Et puis en 6e, on nous a appris plus de choses. Mais en 4e, c'était, voilà, si je veux dire, une révélation. Parce que là, c'était, on faisait plus les équations. C'est là qu'est venu mon amour pour les mathématiques. Qu'est-ce que tu voudrais faire dans le futur? Je voudrais être ingénieur en mines pétrole. Pourquoi? Parce que je suis passionnée par la chimie et puis les maths. Donc je trouve que c'est ce métier-là qui me sied. Ingénieurs, architectes ou même pilotes, ces filles amoureuses des matières scientifiques sont au travail pour réaliser leurs rêves. Ce sont des filles qui sont très très assidues au travail. Elles s'adonnent rien qu'à leurs études, les distractions et autres. Ce n'est pas du tout leur quotidien. Au lycée scientifique, les filles constituent 10% de l'effectif et pourtant ce sont elles qui mènent le bal. Les filles sont généralement toutes au tableau d'honneur et lors des examens même aussi, elles sont beaucoup plus brillantes que les garçons. C'est pour dire que le fait qu'elles soient en nombre réduit ne joue nullement sur leur performance et sur leurs résultats. Après les cours, les sœurs catholiques prennent le relais de l'encadrement. Pour les cas de grossesse ici, nous n'avons pas parce que tout simplement, nous essayons de sensibiliser les filles que la première des choses ici, c'est les études. Ce sont les études, elles doivent se battre pour être des leaders de demain. Au supérieur, les filles de l'Institut National Polytechnique au Fort Boigny sont fières de faire partie de la crème des futurs cadres du pays. Je suis géomètre, voilà. Le but, c'est de trouver des coordonnées des points. Et nous faisons d'abord une polygonale au sein de l'INP. Les gens se sentent très fiers, les parents se sentent fiers, les amis également. La Côte d'Ivoire, dans quelques années, pourra certainement compter sur elle pour trouver des solutions à toutes les équations difficiles auxquelles pourrait être confronté le pays. Un mot de construction devant les nombreux rejets de demandes de titres fonciers dus à la non-approbation des lotissements. L'État de Côte d'Ivoire a lancé une vaste opération de redressement des lotissements irréguliers dans le district d'Abidjan. Cette mesure spéciale vise à sensibiliser les acteurs de la chaîne foncière en vue de collecter des documents techniques et procéder à la régulation des lotissements non approuvés. Toutes les communes et les sous-préfectures du district d'Abidjan sont concernées par l'opération. Dans les sous-préfectures de Songo, d'Anyama, de Brofodoumé, de Bengéville et les communes du district d'Abidjan, partout où elle est passée, la délégation du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a pu toucher du doigt à travers les explications des populations et des autorités locales les problèmes qui minent le foncier dans nos contrées. Les lotissements se chevauchent. Des gens font plusieurs lotissements sur le même espace et ça entraîne des conflits. Beaucoup d'opérateurs sont venus, ont fait des lotissements n'importe comment et ont mis donc en situation de conflit certaines familles. C'est cette anarchie qui motive cette opération spéciale de redressement des lotissements non approuvés dans le district d'Abidjan. Le ministère ambitionne doter toutes nos localités de Côte d'Ivoire
de documents de planification, de plans d'urbanisme directeur et de schémas d'urbanisme directeur. Alors, ceci ne peut se faire que si nous avons une certaine maîtrise de l'existant. Le cabinet des géomètres espère retenir pour l'exécution de ce projet à exposer au cours de ces rencontres sa méthodologie. Nous procédons à une collecte de données à l'issue de cette campagne de sensibilisation pour établir la cartographie des lotissements irréguliers. Après quoi, nous passons à la correction de ces lotissements et enfin au redressement de ces lotissements et in fine à l'approbation de ces 10 lotissements. À ce jour, les données collectées révèlent que plus de 80% des lotissements initiés dans le district d'Abidjan ne sont pas régularisés, d'où cet appel du maître d'œuvre de ce projet, le directeur de la topographie et de la cartographie. L'opération de redressement des lotissements est une mesure spéciale qui allège les procédures d'approbation. C'est une chance qui est donnée aux uns et aux autres de régulariser leur situation foncière. Nous lançons un appel à tous les acteurs de la chaîne foncière. Je veux parler des communautés villageoises, des opérateurs topo, des géomètres agréés, à communiquer tous leurs plans de lotissement ou de morcellement non approuvés afin que ceux-ci puissent être pris en compte dans ce projet. En initiant cette opération spéciale de redressement, l'État de Côte d'Ivoire entend approuver le plus grand nombre de lotissements et délivrer par la suite des arrêtés. Les députés, membres de la commission recherche, sciences, technologie et environnement de l'Assemblée nationale, étaient ce lundi à la zone industrielle de Kumasi. Objectif, mieux s'informer sur cette affaire de pollution dont se plaignent les populations de la cité Oufoute-Boigny depuis 2 mois. Natou, Effray et Outre-Air, les 2 entreprises visitées, seraient à l'origine de cette pollution. Victorine Yaouyoboué pour plus de détails. Il y a environ 2 mois, les populations de la cité Oufoute-Boigny manifestaient contre l'entreprise Nature et Frères, accusée de polluer l'environnement avec son activité de traitement d'huile de vidange. Accusation soutenue par une entreprise voisine, Outre-Air. Depuis lors, l'entreprise Nature et Frères a été traduite devant les tribunaux et fait en ce moment l'objet d'une mise en demeure. Informés de l'affaire, les députés de la commission environnement Recherche et sciences sont venus écouter les différents protagonistes. Avant que cette société ne s'installe, nous étions tranquilles. Et les riverains pourront vous le confirmer, les autres pourront vous le confirmer. C'est depuis son installation que notre sommeil est troublé. L'usine Natou Effray a commencé à polluer l'air. Nous avons amené des lettres de plainte au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Industrie, au ministère de l'Environnement. Ce matin, nous voyons la présence de nos députés. Nous sommes contents et nous voyons que notre problème sera résolu. Natou Effray, sur le banc des accusés, se présente plutôt comme une entreprise citoyenne. En dépit de toutes les mesures que nous avons prises, et il existe encore des gens qui se plaignent et qui sont inquiets pour leur santé. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de vivre en quiétude dans notre voisinage. Vous comprenez? Et pour cela, nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour que toute la lumière sur ces histoires de gaz soit retrouvée. Et ça, on ne peut le trouver, ça je vous demande de le comprendre, que de manière scientifique. On a pris bonne note de tout ce que vous avez dit et que tout ce que nous on souhaite, c'est qu'il y ait des investissements en Côte d'Ivoire, mais pas à n'importe quel prix. Dans la réalisation des investissements, on doit aussi faire attention au bien-être de la population, à l'environnement qui doit subsister à nous autres qui sommes là pour que nos enfants demain puissent vivre en paix dans cette Côte d'Ivoire. Les députés souhaitent des études plus approfondies des autorités compétentes pour savoir si la pollution constatée dans la zone est du fait de l'entreprise de traitement d'huile de vidange. La pollution, vous le savez, constitue un facteur du changement climatique. Justement, sur le sujet, un atelier a été initié ce mardi à Abidjan par le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Il était question de renforcer les capacités des acteurs nationaux et régionaux à l'intégration du changement climatique dans les politiques et stratégies de développement. Le reportage d'Amikanga Koulibaly. Le changement climatique, un fléau qui a un impact négatif sur les ressources naturelles, la santé, la sécurité alimentaire, entre autres.
Pour éviter que le développement socio-économique des pays de la sous-région ne soit freiné, il s'avère nécessaire de mettre en œuvre des politiques qui visent la prise en compte des questions liées au changement climatique. D'où un atelier sur l'intégration du changement climatique dans la planification et le processus budgétaire. Notre objectif est d'aider le cadre des pays à mieux connaître les outils et les méthodologies qui sont exploitées pour intégrer le changement climatique dans les politiques. Comme l'a dit M. Hakim Steiner, directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l'environnement, la question n'est pas de savoir si le réchauffement climatique a lieu, mais ce qu'il faut faire pour y remédier. À travers l'atelier de ce jour, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable veut réaffirmer son adhésion pleine et entière au principe de la solidarité gouvernementale en matière de préservation de l'environnement. Il revient donc aux participants de mettre à profit les 4 jours de formation en vue d'identifier les besoins nationaux pour mieux mener des actions ultérieures. L'atelier a été initié par le CILS, le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, dans le cadre de la mise en œuvre de l'Alliance mondiale contre le changement climatique et le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Hors de la Côte d'Ivoire, en Centrafrique, le pays est paralysé par la crise et les violences interreligieuses depuis plusieurs mois. Une commission des Nations Unies devrait commencer à enquêter ce mardi sur les violations des droits de l'homme dans ce pays. La commission mandatée par le Conseil de sécurité de l'ONU et dirigée par le Camerounais Bernard Asho Mouna veut mettre fin à l'impunité dans le pays. Et toujours en Centrafrique, la résolution de la crise, dans le cadre de la résolution de la crise, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio, a été nommé en qualité d'envoyé spécial de l'Organisation de la coopération islamique. Cheikh Tidiane Gadio a été nommé envoyé spécial de l'Organisation de la coopération islamique pour la Centrafrique. C'est pour ses grandes qualités de négociateur, sa compétence et ses contacts que l'organisation panislamique, qui compte une 60aine de pays, a choisi l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères. L'OCI ne m'a pas mandaté pour aller en Centrafrique en tant que musulman, pour m'intéresser uniquement au cas de la communauté musulmane en Centrafrique. L'OCI est d'abord et avant tout préoccupé par l'intégrité territoriale de la Centrafrique, l'unité du peuple centrafricain. Bien entendu, qu'on mette le plus rapidement possible fin aux tueries. La Centrafrique est à la dérive. Les milices anti-Balaka, qui hier protégeaient les populations chrétiennes, martyrisées par les rebelles de la Séléka, au pouvoir depuis mars 2013, se sont transformées à leur tour en tueurs, pourchassant les musulmans. Le cycle des tueries entre chrétiens et musulmans n'en finit pas. Nous sommes des parents, aussi au Sénégal, c'est ça notre expérience. Nous sommes liés profondément, affectueusement, affectivement. Tout nous lie, rien de fondamental ne nous divise. Et donc c'est très malheureux qu'on soit arrivé à une telle situation, mais l'OCI va jeter son poids. Malgré la présence de 8000 militaires africains et français, des dizaines de milliers de musulmans fuient vers le Tchad, le Cameroun, la RDC. Les rebelles se sont eux repliés dans le nord-est du pays, la partition plane sur la Centrafrique. Mais malgré tous ces défis, Cheikh Tidiane Gadio n'envisage ni échec, ni abandon. Parlons encore de la Centrafrique avec ce grand concert de la solidarité organisé par des artistes africains. Il y a un mois, l'artiste sénégalais Youssou N'Dour et la chanteuse centrafricaine Idil Mamba unissaient leur voix dans One Africa. Un musulman et une chrétienne, ensemble pour la Centrafrique, un pays meurtri par les tueries interreligieuses, les pillages et les déplacements forcés de population. Idil Mamba, nous la retrouvons à Paris. Aujourd'hui résidente au Cameroun, elle est venue participer à un concert de solidarité pour la Centrafrique. Cette initiative m'a beaucoup touchée parce que je viens de ce pays-là qui traverse ce moment difficile depuis un an déjà, comme vous le savez. Et il fallait absolument que je contribue. Je comprends pas. Au théâtre de la ville, elle retrouve Youssou N'Dour. Le chanteur a toujours été très engagé dans des causes humanitaires. En toute logique, il s'est mobilisé pour la Centrafrique pour dire qu'une réconciliation est possible au-delà des religions.
J'ai essayé de donner l'exemple du Sénégal, 95% de musulmans, premier président chrétien, son meilleur ami c'est le grand marabout. Donc j'ai mis ça sur la table, mais je pense que c'est au-delà même des religions, c'est la reconnaissance de l'autre, de la différence des choix qui est apportée comme une richesse aujourd'hui. Plusieurs artistes du continent ont répondu présents. Lokua Kanza, Relema et Bonga. Le concert affiché complet, et c'est tant mieux. La totalité de la recette servira à la reconstruction de l'espace Lingatere à Bangui, un lieu culturel qui a son rôle à jouer pour un retour de la paix en Centrafrique. L'absence de dialogue entre les communautés a créé la haine et la division. Donc il nous faut les amener à des choses qui à la fois peuvent les divertir, mais en même temps faire de telle sorte qu'ils oublient les angoisses et la haine pour pouvoir se réconcilier. Les artistes de l'espace Lingatere ont clôturé la soirée. Si tout va bien, ils pourront bientôt partir pour une caravane pour la paix sur les routes de Centrafrique. En Libye, le Premier ministre Ali Zeidan a été démis mardi de ses fonctions par le Parlement. Le Congrès a voté pour le retrait de la confiance au Premier ministre Ali Zeidan avec 124 voix et a chargé le ministre de la Défense Abdallah Al-Thani d'assurer l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau chef de gouvernement dans un délai de 2 semaines, a annoncé le Congrès général national, la plus haute autorité politique du pays. L'actualité en bref et en images à travers le monde, nous irons en Espagne et en Inde. Au moins 16 policiers ont été tués mardi dans l'état du Chhattisgarh au centre de l'Inde. Les forces de sécurité ont trouvé la mort dans une embuscade que leur avaient tendue des dizaines de rebelles maoïstes. Cette attaque fait craindre un regain de violence à l'approche des élections législatives prévues en avril dans cet état. La guérilla maoïste est active dans le centre et l'est du pays depuis 1967. Elle affirme représenter les paysans pauvres et les laissés pour compte de ces régions tribales. Tension après la mort lundi d'un juge jordanien d'origine palestinienne. Les Palestiniens dénoncent un assassinat de sang-froid et réclament une enquête internationale. L'armée israélienne affirme qu'avant de riposter, la victime Raed Zeter avait tenté d'étrangler un de ses soldats. Le juge, tué à la frontière entre la Cisjordanie et la Jordanie, exerçait dans un tribunal d'Amman. 200 personnes ont réclamé hier devant l'ambassade d'Israël en Jordanie l'expulsion de l'ambassadeur. Un jeune manifestant palestinien a également été tué lundi par des tirs de soldats israéliens sur une route de Ramallah. En Libye, les autorités ont annoncé lundi avoir arraisonné un pétrolier battant pavillon nord-coréen ayant à son bord une cargaison de pétrole illégal achetée pour la première fois aux rebelles. Mais le navire aurait réussi à échapper à son escorte et à prendre le large. Le Morning Glory, arrivé samedi dans le port d'Al-Saïdra, aurait eu le temps de charger 234 000 barils. Depuis juillet, des rebelles bloquent les terminaux pour réclamer l'autonomie de la région orientale de la Libye, privant de ce fait le pays de sa principale source de revenus. Le 11 mars 2004 à Madrid, 10 bombes explosent dans 4 trains bondés faisant 191 morts et près de 1900 blessés. 10 ans après, l'Espagne se souvient de ces attentats les plus meurtriers de son histoire. Dans la cathédrale de l'Almudena, 1 millier de personnes victimes de la tragédie, mais aussi secouristes, pompiers ou policiers, ont assisté mardi à une messe d'hommage autour du roi Juan Carlos et du chef du gouvernement. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI 1. Demain, à 6h30, retrouvez Hamza Diaby. Bonsoir chez vous.